Cette semaine, au Petit Geste Vert, nous sommes dans la magnifique région de Chicoutimi, dans le Saguenay, et on est à l'école Félix-Antoine-Savard, où il se brasse des choses extraordinaires dans le développement durable. Venez avec moi, on va aller faire un tour. Certains croient que pour changer le monde, faut être un génie. Nous, ici, à l'école Félix-Antoine-Savard, ça va faire un gros 12 ans cette année qu'on est membre des écoles vertes Brundtland. On a instauré des brigades pour responsabiliser les élèves. Nous sommes la brigade École Nette! Ben, nous autres, à chaque récréation de 15 minutes, on va laver les choses que les élèves touchent souvent, comme les poignées de porte, les rampes, la souris, les claviers. On aime bien ça. C'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour. On a à l'école la mini-ressourcerie, puis on envoie dans les familles des demandes de matériel. Nous, on emplit nos armoires. Les élèves utilisent ce matériel-là pour faire des bricolages ou des projets, différents projets dans les écoles. Nous, à notre école, Félix-Antoine-Savard, nous avons une mini-ressourcerie. Nous récupérons des téléphones cellulaires qui ne marchent plus et des cartouches d'or pour Mira. Et des piles. Nous, on est la brigade du recyclage. On récupère la poubelle, le compost et aussi le recyclage. Il y a le plastique aussi. On ramasse les bacs de recyclage de toutes les écoles. Le jeudi matin, on sort les gros bacs à l'extérieur, puis sur l'heure du midi, on les rend. Les jeunes embarquent très bien dans le côté environnemental parce que vraiment, ça les touche. C'est de leur génération. Puis souvent, ils arrivent à la maison, puis c'est eux qui en reparlent à leurs parents. Moi, je crois. La génération de l'avenir, là, c'est les adultes de demain. C'est pas compliqué.